eux tout à l'heure. Si on défend pas du côté du CB, voilà ce qui arrive. Hein. Là, ils ont de la place, ils ont du temps hein, pour les prendre, ces shoots à 3 points. Le CB qui est encore privé de Derrick Byars, remplacé numériquement par Parson, qui a deux joueurs en ligne arrière, McGrath et Battle, dans des registres différents. Un gestionnaire, un shooter. Duport, avec Onaembo, poseur. Onaembo de nouveau. Attention, il reste 4 secondes avant la fin de la possession. Il faut prendre le shoot, c'est fait. Dedans, superbe. Pour l'élan Chalon qui mène désormais 17-10. 17 points marqués. 17-7, pardon. En 4 minutes 30, ça fait beaucoup. Hein. Énorme. Ouais, là, on est parti sur des bases très très élevées. Fabien Causeur a bien arrêté dans ces conditions. Ouais, et sa coupe de cheveux difficile aussi. Hein. Ouais, joli. 28 à 15, moins de 2 minutes avant la fin de ce premier quart-temps. McGrath, pas trop de solutions, si peut-être, avec Parsons. Blake Shield qui défend bien, McGrath de nouveau. Et ouais, et encore une superbe séquence défensive de l'élan Chalon. Et quel mauvais choix en l'occurrence de Parsons. Il doit jouer ce ballon déjà, Nichols devait le jouer un peu. Et alors Parsons, il faut qu'il envoie en l'air ou qu'il pénètre. Chicambo, ouais, c'est autre, manqué de peu. Un autre champion NBA, Udonis Haslem. D'accord. Gravit. McGrath. McGrath qui va prendre le shoot. Ouais, expérimenté. Ça tire tout le niveau vers le haut. Allez, Gradit qui va défier la défense de l'élan. Dommage, là, il a manqué un peu de réussite parce qu'il avait fait, créé un bon shoot. Voilà, c'est un shoot près du cercle. Ça fixe la défense, ça permet à Randall Volker. Smith avec l'Auvergne, c'est court encore. Et là, ils sont sortis de la trame collective. Les initiatives sont individuelles sur les deux dernières actions. McGrath face à Steve Chikambu. Gradit. Ouais, bon ballon, ouais, dommage. Allez, 5 minutes avant la fin de cette première mi-temps. Fabien Causeur à 3 points, peut-être un peu court, mais Randall Volker qui est là pour prendre le rebond. Gradit, nouvelle chance peut-être pour Carl Onaembo. 0 sur 4 à 3 points pour Cholet dans ce carton. Gradit, Causeur. Fabien Causeur hein, qui a évidemment beaucoup de responsabilités cette saison, lui qui a dû regarder ses camarades depuis le banc la saison dernière. Et bien voilà. Ok, le rebond pour Parsons. On a Mbo qui a mis de la vitesse pour essayer de tromper la vigilance de la défense et du repli défensif de l'élan, mais rien à faire. Gradit, Causeur qui renverse. Fabien Causeur qui a glissé. Oui, qu'on a